Hello tout le monde, c'est Philito, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 33 de notre aventure sur Deus Ex Human Revolution. J'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, nous avions donc trouvé Sandoval qui, comment dire, on a dû l'assommer. Hein, il était pas très très content de nous voir. Apparemment, cette cinématique aurait été différente si j'avais réussi j'aurais réussi l'affrontement, voilà, entre moi et Taggart. Sauf que je n'avais pas réussi l'affrontement, du coup j'avais dû récupérer les trucs par moi-même sur son ordinateur, dans son bureau. Et du coup, ça a un petit peu changé les trucs. Dont cette cinématique où à la fin normalement je crois qu'il aurait pu essayer de se suicider et on aurait dû l'empêcher, un truc dans ce genre. Mais au final non, il a voulu nous tuer. Il a voulu nous tuer, mais du coup on a été gentil, on l'a assommé, je l'ai pas tué quand même, heureusement. Et en fait juste continuer. Donc qu'est-ce qu'il nous avait dit? Je ne sais plus ce qu'il nous avait dit. C'est bien, hein, c'est bonne image. Je ne sais plus. Non, je crois qu'il nous avait dit que oui, il est... Les signaux, entre guillemets, hein, entre guillemets, ce qu'il a dit, hein, les signaux n'ont pas totalement effacés. Enfin, on peut encore suivre à la trace les scientifiques qui ont été enlevés, et du coup, on va pouvoir retrouver notre ex-compagne qui s'appelle, je ne sais plus comment. Non, ça fait une semaine que j'ai pas tourné, alors du coup, j'ai quand même oublier quelques petits trucs, hein. Faut se le dire. Surtout que, bon, avec les cours et tout, je dis l'excuse des cours, mais bon, c'est aussi logique, hein. Vu que j'ai des cours, eh bien, j'ai pas mal de choses à penser. Du coup, j'oublie pas mal de choses aussi. Mais heureusement qu'on a ça. Voilà. Donc ça, c'était fait, hein. Hop. Sandoval n'a pas retiré la puce. Voilà. En gros, voilà. C'était pas effacer les trucs, mais il avait pas retiré la puce. Bon, c'est presque pareil, hein. Presque pareil. Du coup, on peut. Il faut régler la fréquence pour pouvoir retrouver Megan. Megan, j'allais dire Sarah. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de dire Sarah. Bon, bref, on va avancer. Alors, oui, du coup, oui. Il n'y a pas eu d'épisode encore. Hein. Ce jeudi, mais bon, ce n'est pas grave. Comme on me disait, vaut mieux un épisode bien fait, quitte à ce qu'il n'y a pas tout le temps, que deux épisodes mal faits. Et je suis d'accord. Par contre, oui, là, je crois que c'est le dernier moment avant de partir d'ici. Mais bon, on va dire qu'on n'a plus rien à faire. Je pourrais, hein, mais honnêtement, c'est pas grave. Quoique. Est-ce que je devrais aller en plib? Ouais, j'ai de quoi tenir là. Ouais, c'est bon. Au niveau des munitions, c'est bon. Munitions de charge, j'en ai combien? J'en ai 15. Ouais. Ouais, c'est bon. Il y a les augmentations, si c'est vrai, j'en ai 2. Ça, à chaque fois, je ne sais jamais. Ouais. Bras cybernétique. On pourrait mettre ça là-dedans. Je regarde encore une fois parce que je ne sais toujours pas. Portée du radar, j'en ai rien à foutre. Furtivité, bon, ça apparemment c'était pas génial. Donc c'était pas important. Ça serait peut-être pas mal. C'est vrai que je suis pas très, très doué avec ça. Persuadez-les. Analyser les gens et persuader les... Ouais. Extension de piratage. Bof, pas trop. Je prends mon temps au début pour bien regarder ce que je pourrais prendre encore. Éliminer plusieurs adversaires. Ouais, bof. Augmenter la durée de ça, ça pourrait être pas mal, mais je m'en sers pas non plus des masses. Peut-être après, je vais m'en servir un peu plus. Hein. Ça pourrait être bien. Marcher en silence.
Voir à travers les murs. Ouais. Ça, chrono et René, vous pouvez exactement. Quel moment? Combattant ennemi, ok. Protéger contre les grenades à suppression, ça pourrait être pas mal aussi. Bon. Bon, bah vous savez quoi? Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà. Dans certains endroits, peut-être qu'après on devra faire plus d'infiltration, donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Voir à travers les murs, bon, bof. Vous êtes protégé contre ça. Ça pourrait être pas mal aussi. Et ça pourrait être pas mal, c'est vrai, contre les gaz. Permet de sprinter plus longtemps. Ah, vous savez quoi, je vais prendre ça. Ah oui, non, il en faut deux. Ah oui, bon, c'est pas grave. On en aura un bientôt, je pense. Allez, on va y aller tout de suite. On va y aller. Et c'est tout. On va y aller. Du coup, faut que je monte dans mon appartement. Tout est beau quand même ici. Ça, je l'avais fait. Il me semble que oui. Hein. Ouais, j'avais déjà été. Par contre, est-ce que j'avais fouillé les pièces qu'on pourrait éventuellement trouver dans l'appart? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du tout. J'ai encore mon petit bonus là avec ma mon verre d'alcool. Donc là, notre appartement. Regarde s'il y aurait rien à prendre ou quoi. On sait jamais. Ça par exemple. Vas-y, ouvre. J'avais quoi dedans? Ouais. Ouais, pour le pistolet, mais bon, ça. Ça reste pas. Ok, il n'y avait que ça. Bon. Ben ça, on s'en fout alors. Livre électronique. Je crois que je l'avais déjà lu ça. Ok, bon. Voilà. Je crois pas qu'il y a des choses intéressantes à faire maintenant. Donc on va refermer, on va se barrer du coup. Au revoir. Je te verrai plus. Réactivation du système de sécurité. À bientôt, monsieur Jensen. Alors, Malik, Malik, Malik. Ça manque de musique, je pense, quand même. Petite musique dans l'ascenseur, ça pourrait être pas mal. Coucou. Hey Adam, content que vous soyez avec nous, même s'il se passe pas grand-chose ici. Ouais. Hello. Touk touk touk. Salut. Là voilà. Touk touk touk. Ça c'est quoi? Une bière, on va la prendre. Petite bière. 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 Je check quand même s'il n'y a pas quand même des petits trucs. Par exemple, là, regardez la bière, j'avais pas vu. Peut-être que c'était que maintenant, ou peut-être qu'elle était déjà avant, mais je l'avais pas capté. Donc, je revérifie quand même. Ça, je peux pas, oui. Hop. Bon, ben, go, hein. Une enquête bien menée, Johnson. Je te ramène au siège? Ouais. Eh oui, on ne pourra plus revenir. Mais bon, c'est pas Ouais. grave. Espérons que Pritchard ait trouvé la fréquence. Croisons les doigts. Ouais, j'espère qu'il a trouvé ce petit. Bon.
En tout cas, ouais, ça commence à faire pas mal à 33 vidéos. Mon plus long let's play a duré combien? 34, je crois, ou 35, je sais plus. 34 ou 35 vidéos. C'était dans une quest Monster Joker 2, je crois. Ou Pokémon Platine, je ne sais plus. Enfin bon. Là, ça sera plus long. J'ai un message pour toi, Jensen, de Pritchard. Il te fait dire qu'il est pas au bureau. Super. Alors je suis censé faire quoi, au juste? Je sais pas. Il a dit que tu devras appeler le patron. Je regarde quand même. Ouais. Là-bas, c'est pas la joie. Y a le feu. Ça va, tranquille. J'aime bien parce que les mecs sont là quand même. Mais il y a le feu juste à côté. Mais tranquille, en mode YOLO. Et puis le... Est-ce qu'il se propage? Attendez, juste 2 secondes. Est-ce qu'il se propage là? Non, non. Le feu reste fixe. Bon. Eh, il pourrait quand même se propager. C'est pas très réaliste tout ça, voyons. Bon, bref. Donc, ouais, on doit aller parler. Oui, bon, on va y aller. On va y aller. Je regarde juste. Je fouille, j'aime bien fouiller quand même. Regarde, s'il n'y a pas. Salut. J'avais pas vu ça. Où est-ce que cela mène? Ah, petite pièce. Oh, mais oh, hey. Je suis désolé, mais voilà quoi. Ah, j'ai plus, je peux pas, oui. Je peux pas faire ça, ouais. On va faire ça. Il y a des trucs hein, aussi. Attendez. Alors je suis désolé de perdre un petit peu de temps là-dessus, mais j'aurais dû faire un détectable. Là, c'est une chance sur deux là. Quel professionnalisme. Regardez comment on gère. Ah, par contre, ouais, non. Et... Accès au voilà, maître hacker. Alors, qu'y a-t-il derrière? Oh, oh, ah, c'est, ah oui, ah, c'est assez joli. Munition Typhoon, munition Typhoon, je m'en fous. Ça, je prends, ça, je prends, ça, je prends. Je prends. Munition de revolver, je m'en fous. Munition, hop. Capacité de munitions, amélioration, je prends. Munitions fusil d'assaut, je prends. Ça, je m'en fous complètement. Ça, y a rien d'autre, ok. Ah bah c'est... Kit salve. C'est quoi le kit salve? Alors attendez, déjà je vais faire un petit peu le truc. Eh, j'ai bien fait d'aller ici quand même. J'ai bien fait. Alors déjà, on va utiliser ça. On va augmenter les munitions. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Déplacer ici. Voilà. Je ne sais plus, je ne sais plus ce que je voulais faire. J'ai pas mal de choses là. Je ferai le tri plus tard. Je ferai le tri plus tard. J'ai plus de place.
Ah, regardez, j'avais même pas vu. Sur le touche directionnelle gauche, donc à droite de l'écran, j'ai le truc sans bruit. Enfin, pas de bruit, quoi. J'avais pas vu. Ah, c'est cool. C'est plutôt cool. Je peux pas prendre salve, mais je veux savoir c'est quoi salve. Oh! Eh! Attendez, on va faire de la place. De la place. Non. Hop, hop. Ça. Quoique les mines, je m'en sers pas. Je m'en sers jamais des mines. Allez, hop. Juste savoir c'est quoi, si je peux utiliser ou pas ça. Je pense pas, mais... Non, non, non. Examiner. Le fusil à pompe. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Et les mines, ouais, je m'en tape. Donc c'est pas grave. Et il y avait rien d'autre? Non. Je regarde quand même. Non, non, non. Rien d'autre. Bon, bah écoutez, c'est plutôt cool. Perdu du temps là-dessus, mais... Eh, on passe pas à côté non plus de... Un truc comme ça. Je peux avoir des munitions gratos. Bon, du coup, j'ai claqué quand même un petit peu des virus, mais bon, c'est pas trop grave. Pourquoi je passe par là? Non, je préfère passer par là-haut. Et du coup, faut... Alors, attendez. Rejoindre Sarif, ouais. Et attendez, je veux juste vérifier quand même. Là, je peux rien faire. Ok. Voilà, c'est juste pour vérifier. Bon. Hop. Alors. Touk. Taïwan Medical. J'essaie de regarder un petit peu ce qu'ils disent. Et je, du coup, je vais même pas même au bon endroit à force de regarder ce qu'ils disent. Ah, je pourrais tellement aller dans les trucs. Attendez. Oh, je suis désolé hein, de faire ça. Je sais... Non, pas ça. Sauvegarder, sauvegarde 3. Alors, je suis désolé. Hein, mais quand je vois un truc à pirater, ben j'ai envie. Et du coup, je vais perdre du temps. Ne vous inquiétez pas, on va aller voir ça arrive. Juste. Ça tombe, je peux avoir le code, mais bon, c'est pas grave. Hop. Accès autorisé. Voilà. Et un petit truc en plus. Qu'est-ce que vous avez ici? Ordinateur. On va regarder cet ordinateur quand même. Voir, il y a peut-être des choses un peu intéressantes. Hein. Prise d'otage, c'est quoi? Un picus à la fin. Depuis que ta garde a fait du discours devant l'ONU, Gassan profite de chaque occasion pour trancher le débat d'augmentation en sa faveur. Nanananananana. Ok. Patron de Sarif vient de passer à... La tête par la porte, on dirait. C'est la guerre. Ok. Bon. Ils sont pas très contents hein, dans les messages quand même. Et sinon, il n'y a pas. Je sais pas moi, des petits trucs. Si, attendez. Hey. Crédit. Elle dit crédit. Tendu un visage de supprimer les vacances. On s'en tape. Pritchard, important. Et tout, sa sécurité. Je crois que j'avais déjà lu ça aussi. Non, je crois que j'avais déjà lu ça. Bon, alors on va aller parler à Sarif, à ses pertes de temps. J'aime bien fouiller, mais bon, là on est en vidéo. Si on fouillerait tout, on ferait 200 vidéos. Encore. Et encore, je sais même pas si on ferait tout avec 200 vidéos. Sarif?
David est sorti, il revient bientôt, Monsieur Jensen. Mais veuillez entrer. J'espérais vous rencontrer. Monsieur Darrow, je m'étonne que vous sachiez qui je suis. David dit le plus grand bien de vous. Il dit que quand vous êtes sur une enquête, vous êtes comme un chien après un os. Avez-vous retrouvé vos chercheurs ? Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre ? Beaucoup de choses au cours de toutes ces années. Mais aujourd'hui, je suis là en ami et en collègue. La situation est un peu chaotique, vous ne trouvez pas ? Tellement de gens ivres de révolution. Les Nations Unies ont été sommées d'intervenir. Tout ça à cause de la technologie que j'ai inventée. Elle a beaucoup évolué depuis. Oui, c'est vrai. Et mon ami David voudrait que je nous guide jusqu'à la Terre Promise. Il veut que j'invite des représentants de l'ONU à Panchaya pour les convaincre qu'il est inutile de réguler notre industrie. Votre projet de géo-ingénierie dans l'océan Arctique ? Cette infrastructure n'aurait jamais pu être bâtie sans ouvriers augmentés. Et quand elle sera finie, mon petit trou dans l'océan stoppera le réchauffement climatique. Quel beau reportage ça ferait, vous trouvez ? Si ça marche. C'est vrai. Si ça ne nous tue pas tous. Adam ! Enfin ! Je peux vous voir seul un moment ? Allez à l'hélistation, vite. Vous repartez tout de suite pour Aincha. Franck a repéré un des GPL. Seulement un ? Celui de... De Sevchenko. Mais Adam, il nous a fallu demander de l'aide au gouvernement. Et donc, les conspirateurs s'attendront à ma venue. Il est bizarre, ce Darrow. Bah, ça tombe... Je sais pas, non, mais moi je le trouve bizarre. Bizarre. Vous êtes Adam Jensen, c'est ça ? Le chef de la sécurité. Vos hommes ont fait du bon boulot. Ils ont sécurisé le bâtiment quand l'émeute a éclaté. Ouais. Attendez, Ah non, je peux pas y retourner en plus. Je peux quand même... Attendez, sauvegarder. Sauvegarde 3, toujours. Hein. Toujours la sauvegarde 3. Hein. Sauvegarde 3 qui est hop. Et on va partir pour Aincha. On va repartir pour Aincha tout de suite après. Je fais ça. Je pirate, comme d'hab. Je suis un petit pirate. Allez. Yop. Ouais, bon, ok. Hein, de la merde. Ça va être chiant. Bon, allez, attendez. Deuxième essai. Et promis, si ça marche pas, je... Enfin, si ça me le fait le truc... Bon, après, je pourrais... Oui, faire en sorte de ne pas être détecté, mais bon... C'est pas marrant. Allez, on en a plein. 15% de chance de l'avoir. On ne peut pas être détecté, je veux dire. Hop, 15%. Allez. Accès autorisé. Voilà. Cadeau de Monsieur Sarif. Ah, je tiens beaucoup au soutien de Monsieur Zarif, c'est pourquoi je fais de mon mieux pour expliquer à mon patient tous les détails de cadeaux généreux, mais je n'irai pas plus loin. À partir de maintenant, toutes les augmentations de celui-ci achètera, se fera passer, c'est exactement celle qui aura choisi lui-même. Patient, on peut sur le seul à décider si ou non des prototypes d'augmentation en cours de test devraient être ajoutés ou pas. Ok. Rapport hebdomadaire du labo. Une forme, il y a des limites pour nécessité fait loi. Une formule qui sonne mieux sur le papier. Partie en production. Typhoon, basilic. Ouais. O'Neill avec deux L. Petite référence à une série, si vous connaissez. Je pense que oui. Mais je ne dis pas laquelle, parce qu'il faut comprendre la référence. Pour voir si vous avez compris aussi.
Bonne progression, mais il va piétiner à cause des tests. Nanana, ok. Ouais, bon. Et David Sarif, ne passez plus les appels de cet enfoiré. Athènes, je me fiche. Combien d'argent il peut dans la société, ne plus. Nanana. Ok, bon. Bon, on va partir. Non, pas par là. Là, c'est les toilettes. Voyons. On va pas dans les toilettes. On va à Inksha. Inksha, c'est pas dans les toilettes. Bon. Du coup, on a retrouvé un mec. Enfin, ils ont retrouvé un mec. Mais ils vont savoir que je suis là, puisqu'ils ont demandé de l'aide au gouvernement. Du coup, j'ai un peu l'impression que je vais foncer dans un piège. Ça, comment dire, c'est pas cool, j'ai envie de dire. Mais quand je dis pas cool, c'est genre vraiment pas cool. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, vous regardez la téloche? Non. Ouais, bon. C'est le bordel dehors, je sais. Eh oh, bière. Voilà, bière, une petite... Une bière, faut la prendre la bière. Hop, un journal. Arrestation de l'activiste Isaïe Sandoval. Ah, la police de Détroit a arrêté Isaïe Sandoval, un activiste du terrorisme. Sandoval est accusé de complicité dans l'attentat sanglant contre Sarif Industries. Survenu il y a 6 mois. Mais oui, parce que les gars qu'on avait vus dans le truc la dernière fois, c'était ces gars, lui, hein, et ceux qui nous avaient attaqué il y a 6 mois. Donc ouais. C'est quand même de sa faute si on n'a plus Mégane. Elle était mignonne en plus. Bon. Elle était mignonne. Mais lui, il a tout... Tout. Voilà, il a tout. Enfin, c'est lui qui les a enlevés. Enfin, qui a dirigé le truc. Alors, Malik. Le patron m'a dit qu'on repartait pour Encha. Pritchard a repéré le signal GPL de Sevchenko. S'il est en vie, il y a des chances que les autres le soient aussi. Ça t'en sait rien du tout, Jensen. Ça fait un moment qu'on avance sans rien savoir du tout. Si tu le prends comme ça, t'es prêt à partir? Ouais. Ne jamais remettre à plus tard. Allons-y. Alors grimpe. J'espère que Mégane, elle sera en vie en tout cas. Oh, les autres, je m'en fous, hein. Juste Mégane. Les autres, le plus important, Mégane. Et le feu qui ne s'est toujours pas propagé, bon, ça c'est... Hein, s'en fout. C'est le feu. Le feu qui reste... qui reste intact. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passait. Mais bon, ça va se passer. On est à combien? Ouais, on aura le temps de faire... commencer un truc. Mauvaise nouvelle, Spy Boy. Spy Boy? Le contrôle aérien d'Encha a annulé notre autorisation. Il nous envoie dans un autre quartier. J'aime pas ça. Je suppose que t'as pas le choix. Non, non. Gouvernement chinois, je dois obéir. Bravo Echo Echo 008 se déroule vers coordonnées indiquées. Merde! On a été accroché par un missile! Hein? Malik, on a de la compagnie. Je sais, mais l'avion est salement touché. Il va falloir le réparer avant de repartir. Je vais te couvrir. Négatif. Tu dois filer d'ici et retrouver le docteur Sevchenko. Je m'en sortirai. Mais tu seras trop exposé. Peut-être, mais peut-être pas. Pour toi, c'est une chance de te faufiler sans te faire repérer, et tu le sais bien. Alors dégage d'ici, Jensen. Ok. Bon. Ah, attendez, parce que là c'est la guerre hein, quand même. Bon bah du coup j'ai pas le choix. Hey, Jensen. Malik? Malik, ça va? C'est rien, Spy Boy. Mais je crois...
que tu vas devoir te débrouiller tout seul. Farida. Ah. Non. Attendez, mais elle est morte là. Non. Ah. Il n'y a pas moyen de recommencer. Attendez. Tuez-moi. Je suis sûr qu'il y a moyen de la sauver en fait. Attendez. Ouais. Je vais essayer de la sauver. Je suis fou. Peut-être qu'on peut pas, mais c'est à mon avis. Enfin, c'est le genre de truc, ils nous laissent le choix, soit je la sauve, soit je la sauve pas. Ça doit pas être trop compliqué à les tuer, les mecs. On va sortir nos armes, on va les tuer. Malik, on a de la compagnie. Je sais, mais l'avion est salement touché. Il va Alors, attendez. Réparer avant de repartir. Je vais te couvrir. Négatif. Tu dois filer d'ici et retrouver le docteur Sevchenko. T'en sortirai. Mais tu seras trop exposé. Peut-être, mais peut-être pas. Pour toi, c'est une chance de te filer sans faire repérer, et tu le sais bien. Alors dégage d'ici, Jensen. Alors, attendez. On va sortir de la grenade quand même. La grenade, j'en ai. Attendez, grenade AIM. Pas ça. Oh, quoique, j'en ai peut-être pas beaucoup des grenades. Non, j'en ai pas beaucoup des grenades. En effet, le Prime, ça peut être utile. Wouah. Ok. Balance ta grenade. On prend. Ça. Et... Ah là là. En fait, c'est peut-être pas possible, en fait. Je sais pas. Je pense que si. Regardez. Où ça? Où est-ce que on me vise? Alors attendez. Salut, t'es con. Malik, ça va? C'est rien, Spyboy. Mais je crois. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. Farida. Fais-leur payer ce qu'ils m'ont fait. Non, mais elle est en train de mourir. Mais pas me dire, c'est pas. C'est obligé qu'elle meure. Ah. Oh. Je suis mort. Attendez, on va retester quand même. Je suis sûr qu'il y a moyen. Pas évident en fait. Je sais pas. Malik, on a de la bon alors apparemment on peut pas l'empêcher de mourir. Du coup, on va aller là-bas. Non, je vais passer par derrière parce que du coup il y a les mecs là. Passons par. Mais tu seras trop exposé. Par là. Là-bas, peut-être je peux passer là-dedans. Je sais pas. Il y a quoi dedans? Il y a des choses. Des grenades, ouais. Et à part ça, il y a rien. Merde. Bon. Bah. Par là, alors. Cours. C'est là-bas, vite. Hey, Jensen. Malik, ça va? C'est rien, Spyboy. Mais je crois que tu vas devoir te débrouiller tout seul. Farida.
Fais-leur payer ce qu'ils m'ont fait. Merde. Jensen, j'espionne les communications dans la zone de Hengsha. Bell Tower vous cherche, c'est du sérieux. Ces salauds nous attendaient, Pritchard. Malik est morte. Je l'ai dit, c'était un piège. Oh non, j'imagine que vous voulez vous venger. Mais s'ils vous voient, s'ils vous reconnaissent, évitez-les autant que possible. Bon. Ouais. Bon, bah vous savez quoi? Il faut qu'on... On va venger la mort de Malik, mais au prochain épisode. Parce que là, ça fait quand même 35 minutes à peu près. 35-40 je dirais. Donc ouais, on verra ça au prochain épisode. On... Quoique, attendez. Ah oui, c'est là qu'on doit aller. Ouais, bon. On verra ça au prochain épisode. Et ouais, je m'attendais pas à ce qu'elle meure. Et elle est morte. Merde. Ouais. Ouais. Bon bah dites-moi déjà si je pouvais, s'il y avait moyen d'éviter qu'elle meure. Sinon bah tant pis quoi, j'aurais quand même essayé dans le doute hein, mais bah j'ai essayé, ça marchait pas. Donc bref, n'hésitez pas à me le dire si vous savez. Et du coup on s'arrête là, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve la prochaine fois dans l'épisode 34 pour essayer de trouver ben ce... Je sais plus son nom. Vassili Shevchenko. Voilà. Donc on va essayer de le trouver. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye tout le monde.